c'est Fernand sur VTT Attitude. Pour la rando de la VTT des villes. Hein, voilà, à Pertuis. On va essayer de faire 30 km, peut-être 40. Mais pour l'instant, on se calme. Allez, à tout de suite en vidéo. Voilà, ben on est avec le staff de la rando VTT des vignes. Une partie du staff. Une partie du staff. Avec qu'est-ce que vous pouvez nous dire, hein, donnez-nous envie d'y aller. C'est Xav qui s'est occupé des parcours avec deux autres personnes. Voilà. Et que du single pendant une bonne partie du parcours, le début tranquille jusqu'au ravitaillement, et puis après pour le rouge noir c'est un peu plus costaud. Une fois qu'on a bien mangé, voilà, c'est ça. Et après pour la fin, vous verrez, c'est que des singles, et en plus il y a séparation bleu-rouge pour pas faire de bouchon. Vous êtes en tel parcours, normalement ça doit être bon. Quoi. Théoriquement, 40. Quoi. Ouais, donc ça va piquer. En pratique, j'ai vu qu'on pouvait couper, donc on verra. Ça va piquer. Peut-être le 30. À la fin, ça va piquer un peu. Allez, c'est déjà parti, c'est parti dans les vignes. Une brume un petit peu humide qui nous trempe. On est 5, petit groupe de 5. Voilà, on est parti sur 40 bandes comme on vous a dit, puis on verra bien, on peut couper entre, donc on verra bien la forme du moment. Salut, on est là. On n'a pas froid. J'arrive à plus parler. Température moins 5, les gars, c'est quoi ce pays? On est dans le nord, c'est déconné. Regardez, il y a du blanc et tout partout là. Il y a la neige. C'est qui pas beau? Oh, ça annonce la couleur. On va remonter, fini en poussant. Vous rêvez pas, en gravel sur le parcours VTT, 42 km. Chapeau bas. On le verra là aussi, j'ai regretté. Comment ça? Ça va? On y est, premier ravito qui c'est garni. Il nous bichonne sur la rando de ligne. Bon messieurs, cette première partie de rando, l'ambit. Ça va, on voit pas grand chose en fait. Gras. C'est gras et on a loupé niveau ouais, temps, c'est vrai. C'est pas tout. L'année prochaine. Bon Gabi, ravito d'anthologie. Impeccable. Premier parcours tranquille. Bien, un peu boueux, mais ça va. On va attaquer les choses sérieusement. C'est ça. Allez. On prend des forces.
aurait été meilleur là. Bon ben une bonne petite montée après le ravito là qui collait plein de bouillac et tout. Là c'est bien dur comme il fallait. Bien dur, moi petit problème de transmission, à chaque fois je déraillais sur le plateau de devant, donc la merde, il a fallu pousser une bonne longue partie. Première descente sérieuse je pense. Air pour racine. C'est pentu. Il y a du bruit pour l'instant. Bon, je les ai pas suivis encore. Hein. C'est parti. Je vais aller m'attendre en haut. Ouais, ça, c'est du single descendant. En plus, pour l'instant, il y a du grip. Vas-y derrière. On va 19 bornes, 640 mètres de dénivelé. On est toujours sur le parcours en noir. Pas trop vite pour moi, mais ça se fait, je suis bien. Donc je pense que ça va redescendre. On vient de se faire une super belle descente en single. En sous-bois, génial. Je m'en suis pas pris une, mais... Petite dédicace à tous les nordistes qui me regardent. Aujourd'hui, ça rigole pas. Je suis dans vos conditions. Mais c'est la galère. Je dis encore une fois, chapeau bas, vous qui roulez l'hiver comme ça. Bravo à vous. Ah,
Eh ben, c'est pas gagné cette histoire. Hein. Ça pousse, ça pousse. La fin est dure. Beaucoup de boue, comme ça. Et surtout la chaîne qui bourre et qui arrête pas de dérailler sur le plateau avant, donc c'est un peu la merde. La transmission, elle ramasse. Là. Mais bon, on continue, on a le sourire. La banane, c'est top. Enfin arrivé. De guerriers. Oh l'enculé. Les guerriers fatigués. On a morflé. Enfin moi dis-moi j'ai morflé, je sais pas les autres, mais moi j'ai morflé. 40 km bouclés, nous tirons pas à la fin, sympa. Voilà, 40, combien on a eu 100 mètres de dénivelé de plus, ça fait 1200 mètres de dénivelé. Et... voilà terminé, belle rando, bonne rando à mettre dans vos agendas 2020. Allez, à plus tout le monde, ciao. Bon ben on dit au revoir à la rando des vignes et... j'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à la faire l'année prochaine. Ciao tout le monde!